Alors, comme je suis un petit peu paresseux et ou que j'ai un peu trop goûté de la gastronomie locale hier soir, j'ai préféré faire en sorte que vous vous présentiez chacune et chacun vous-même. Ça me paraît être aussi authentique d'une certaine façon. Donc, peut-être démarrer par toi, si tu le veux bien, Armelle. Est-ce que vous m'entendez? Super. D'abord, merci pour l'invitation, parce que j'ai l'impression de rentrer à la maison. J'ai été membre des EDC pendant 10 ans, je pense à peu près, et puis après j'ai lâché parce que j'avais pas le temps et que je faisais d'autres choses. je sais, c'est pas bien. La bonne nouvelle, c'est que je reviens. Donc voilà. Et alors je dis je reviens à la maison parce que ici je me sens dans une ambiance extraordinaire de fraternité et de communion qui est fabuleuse. Et parce que la thématique réenchantons le travail, elle me parle particulièrement parce que c'est la thématique qui m'anime depuis le début de ma vie professionnelle. De manière plus simple, alors j'ai 47 ans, 4 enfants. Et depuis 25 ans, ce que je fais, c'est beaucoup de choses assez éparpillées vu de l'extérieur, mais avec un fil conducteur qui est que. En fait, j'accompagne des transitions à la fois personnelles, professionnelles, des transitions dans les business models, avec des outils à la fois de coaching, des outils inspirés de la permaculture humaine, et avec une attention toute particulière portée à la faiblesse, à la vulnérabilité, et à laquelle j'essaye de répondre du mieux que je peux, en étant une personne qui crée des liens qui font du bien. Parce que ce que j'ai appris pendant ces 25 ans, c'est que souvent le problème, c'est pas la vulnérabilité, c'est pas la fragilité, c'est la solitude. Et dès qu'on est plusieurs, dès qu'on a la possibilité de soit faire un pas de côté, réfléchir, être à deux, donc là c'est mon travail de coach, soit s'appuyer sur d'autres personnes et travailler ensemble en créant des liens de coopération, des liens de cœur et des liens même de business, c'est plus du tout pareil. Et la donne est totalement changée. Voilà. Et donc dans ma vie, donc j'ai fait du conseil, l'accompagnement, j'ai créé une entreprise textile avec ce côté un peu passion, un peu dingue en disant on va faire un truc que personne n'a fait. Et puis au point où on en est, au pire ça marche quoi. On va essayer. Voilà. Donc j'ai monté une boîte avec une associée dans le textile, donc un secteur auquel je ne connaissais rien du tout. En nous associant à deux à 50-50, alors que tout le monde nous avait dit que ça ne marcherait jamais, et en décidant dès le départ de dire on va ériger la loi de Pareto en principe de vie et d'action. Donc les 20% de temps, d'énergie, d'argent, de tout vont faire les 80% du résultat, et puis le reste, ça va servir à d'autres choses en fait, à donner du temps, à passer du temps avec notre famille. Voilà. Et tout le monde nous avait dit que ça marcherait jamais, et en fait, ça a été une aventure incroyable, merveilleuse, de 12 ans, avec comment dire, une ambition très sociale, très inclusive, et avec l'idée de se dire, on voudrait faire de cette boîte une sorte de machine à reconfigurer les gens, mais pas, enfin, le terme de machine est affreux, désolé. Au contraire, avoir une mission pour aider des gens qui sont éloignés de l'emploi, à reprendre confiance en eux, à apprendre, à se former, et puis peut-être un jour à monter des boîtes. Et ça, on l'a fait, parce que c'était une petite entreprise, mais dans les salariés qu'on a eus, il y en a à peu près un tiers qui sont allés monter des boîtes après, alors que c'était des gens qui venaient de loin, à la fois géographiquement et socialement. Donc ça, c'était ça le vent en fait qu'on portait en nous. Donc c'était très social. Et puis après, j'étais rattrapée par l'écologie. Donc j'ai tout plaqué, j'ai vendu ma boîte. Quand j'ai pris conscience comment dire, de la catastrophe abyssale en fait face à laquelle on était et que j'avais pas vu jusque-là. Donc j'ai vendu mon entreprise, co-créé une association qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui accompagne des entreprises à changer leur business model. Donc ça, c'était ma vie pendant 3 ans et demi. Et maintenant que l'association a bien grandi, je passe la main et je vais recréer à nouveau une nouvelle entreprise pour aider à la transition des business models alimentaires pour les rendre inclusifs et écologiques. Voilà. Et à côté de ça, j'ai toujours gardé du temps
pour m'investir dans l'associatif. Et il y a un sujet qui me tient extrêmement à cœur, c'est les mamans isolées, futures jeunes mamans. Et donc, je suis depuis 12 ans dans le board d'une association que pas mal de gens, je pense, connaissent, qui s'appelle la Maison de Tom Pouce, qui accompagne et intègre, héberge et accompagne dans un projet de vie des jeunes mamans, dont la majorité sont mineures. Beaucoup sont sans papier. Voilà. Et pour les aider à reprendre la main sur leur vie, en fait, et à repartir avec leur bébé dans la joie. Voilà, j'ai dit. Merci, Armelle. Caroline. Et moi, vous m'entendez ? Oui, ça a l'air de marcher. Bah alors, comment ? Collé au menton. Là, on est bien. Eh bien, à la différence d'Armel, moi, c'est mes premières EDC. Je suis un tout petit bébé par rapport à toi. Je commence tout juste. Donc, je suis ravie de cet accueil. Ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de monde, donc c'est assez impressionnant. Mais c'est très chouette. Pour vous raconter un petit peu, du coup, qui je suis. Moi, j'ai 31 ans. Et il y a 6 ans bientôt, j'ai eu un accident qui fait que maintenant je suis en fauteuil roulant. Ma vie d'avant, comme je peux dire, j'étais chef pâtissière et j'avais beaucoup d'énergie, je faisais pas mal de sport. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui m'a un peu sauvée dans ma rémission post-accident. J'ai continué à faire beaucoup de choses. Je suis une, comme j'aime le dire, une grande amoureuse de la vie, de la nature, et c'est ce qui me permet d'être là, du coup aussi, j'imagine, avec vous aujourd'hui. Je fais beaucoup de sport dans mon quotidien, ce qui me permet de canaliser aussi cette énergie, je pense. Et à côté, donc. Enfin, plutôt en parallèle de ça, parce que je fais beaucoup de basket dans ma vie quotidienne. Et je monte aussi une entreprise qui s'appelle Hostobox, qui fait des boîtes cadeaux pour les personnes qui sont hospitalisées, avec des contenus qui sont fabriqués en France. Et l'idée, c'est, on aura sûrement l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais c'est vraiment d'essayer d'avoir une entreprise qui est le plus vertueuse possible, au point de vue humain et écologique également. Et en parallèle de ça encore, je fais beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn, où je sensibilise au handicap en montrant aux gens un petit peu la réalité de la vie quand on est en situation de handicap, et plus particulièrement en fauteuil roulant, et d'expliquer qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et il y a aussi beaucoup de gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, sans mauvais jeu de mots, et du coup qui nous empêche de vivre notre vie comme on la voudrait. Je dis souvent que moi je suis pas handicapée, parce que c'est un terme que j'aime pas déjà, et que dans ma tête je suis pas handicapée, je suis en situation de handicap, parce qu'en fait pour moi je peux tout faire, c'est juste les gens qui m'empêchent, c'est mon environnement qui m'empêche de faire ce que je veux. Et du coup, c'est vrai que voilà, être là, être devant vous aujourd'hui pour en témoigner, je considère ça comme une grande chance. Donc c'est très chouette. Je vais m'arrêter là. Merci Caroline. Michel, c'est à toi. Bien. Bon, sur mon âge, ce n'est pas la peine d'y revenir. Emmanuel, très gentiment, a posé le sujet. Je suis donc co-dirigeant de l'entreprise GT Solutions, une entreprise familiale qui intervient dans le transport routier de marchandises et qui emploie à peu près 2000 personnes. Nous sommes mariés avec Béatrice depuis donc pas mal d'années. Donc autant dire que je m'adresse à vous sous le statut de témoin assisté, voire en liberté surveillée. Nous avons 5 enfants et en l'état actuel des effectifs, 8 petits-enfants. Peut-être pour me présenter, je vais revenir sur plusieurs assises nationales qui ont profondément marqué ma vie d'entrepreneur. 1994, Grenoble, témoignage de Bertrand Martin,
sur la façon dont il a redressé l'entreprise Sulzer en recréant les conditions de la confiance auprès des salariés. Ce témoignage de Bertrand et puis les rencontres que nous avons eues ensemble à la suite ont marqué de façon extrêmement profonde ma façon de diriger une entreprise. En 2004, aux Assises de Poitiers, dans le dîner des familles, où la plupart, comme celui que nous avons vécu pour la plupart hier soir, rencontre avec Frédéric, non seulement une amitié s'est nouée, mais depuis, Frédéric a un rôle majeur et extrêmement précieux dans la gouvernance de notre groupe familial. 2014, Nantes, témoignage de Jean-Dominique Sénard, alors patron de Michelin, sur la responsabilité sociétale des entreprises à l'égard de toutes les parties prenantes. Je garde encore un souvenir ému très fort. Tous les membres des EDC présents, debout, applaudissant cette intervention exceptionnelle. Et m'est venu ce sentiment puéril, mais que je vous partage. Quand je serai grand, j'aimerais faire comme lui. Et puis, ce matin, Bordeaux 2024, nous avons la chance, tous les cinq, de vivre ce moment incroyable avec vous tous. Merci, les EDC. Alors, Nicolas. J'ai la pression, là. Donc, Nicolas Cruot, moi, j'ai 28 ans et j'ai cofondé il y a maintenant 5 ans avec mon père et un autre camarade à moi, une société qu'on appelle Néolith et qui a pour vocation d'arrêter d'enfouir ou d'incinérer les déchets. Parce que les déchets, en France, c'est 30 millions de tonnes par an qu'on enfouit et qu'on incinère. C'est quelques pourcents de nos émissions de CO2 françaises, de l'ordre de 5, donc c'est à peu près deux fois le transport aérien. Et donc, avec mon père a eu cette idée de se dire, il faut qu'on arrive à trouver une autre solution pour traiter ces déchets. Mon père, il n'est pas ingénieur, il n'est pas chimiste, il est tailleur de pierre en Anjou. Et il est venu avec son idée de fossiliser les déchets. Et donc, ça consiste en transformer les déchets en mélange, les déchets non recyclables, en des petits cailloux, comme j'ai là dans la main. Bon, c'est un peu loin pour vous, mais et l'idée, c'est que ces cailloux, on peut les réutiliser en granulat de construction pour faire des bétons, des routes, tout ça. Et donc, la mission première de l'entreprise, c'est d'être écologique, c'est de remplacer un système qui ne l'est pas, qui n'est pas durable, par une techno qui essaie de compenser une lacune qu'on a dans notre monde qui consomme énormément de matière et qui produit énormément de déchets. Donc voilà, aujourd'hui on est à peu près 185 salariés, 5 ans après la création, et on ne fait pas de chiffre d'affaires, hein, donc c'est un modèle quand même assez particulier. Donc on commence à déployer des très grosses capacités de traitement pour remplacer assez rapidement le parc existant de centres d'enfouissement et d'incinérateurs. Et voilà, et donc je suis très content d'être devant vous, et c'est assez impressionnant, mais ça va parce qu'on a la lumière dans les yeux, donc on ne vous voit pas vraiment, mais ça fait quand même bizarre. Merci. Merci. Alors on a quatre entrepreneurs exceptionnels qui portent à leur façon des projets sublimes. Ce à quoi nous invitait hier Pierre-Yves Gomez. Et donc l'idée ce matin, c'est vraiment de cheminer dans nos assises. Hier, on a passé beaucoup de temps sur finalement le comment. Comment je dirige, comment je crée une équipe, comment je crée des équipes, comment je fais coopérer, comment je réenchante le travail via mes pratiques de leadership et via la façon dont je mets en branle ou pas mes équipes. Alors, je vais prendre mes lunettes parce que moi, je ne suis pas au JEDC. Hein, comme ça. Nicolas, tu vas être au JEDC bientôt ? Non, bon, pas forcément. On va voir, à la fin peut-être.
Alors, je voulais démarrer. Donc, on est un peu sur le quoi. On est sur le n'ayons pas peur. On est sur au-delà du comment, qu'est-ce qu'on fait ? Des bons fruits. C'est quoi les bons fruits qu'on produit en étant un bon patron et en ayant des équipes qui coopèrent et qui sont engagées ? Mais pour faire quoi ? Au service de quoi ? Au service de cette espérance dont nous parlait l'archevêque hier. Alors, quand on a préparé cette table ronde, je n'ai pas pu m'empêcher de partager avec vous ce matin un passage de Fratelli Tutti, du pape François, sur cette espérance à laquelle on est invité en tant qu'entrepreneur. J'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels on vit. Cette espérance nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit. Élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace. Elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. C'est ce dont on va parler ce matin, cette espérance-là. Donc, on s'est interrogé en préparant cette table ronde sur cette question du quoi et du comment. En fait, porter de bons fruits, est-ce que c'est la façon dont je fais les choses dans mon entreprise, la façon dont je dirige, la façon dont j'engage mes collaborateurs, dont je crée des équipes, dont je crée cette magie dont Fabien parlait hier, il y a des petites choses, la fameuse clé en strapade. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ce que l'entreprise produit, délivre ? Des services qu'elle rend. C'est quoi les bons fruits d'une entreprise ? C'est quoi les bons fruits d'un entrepreneur ? Donc, vous écoutez sur cette question du quoi et du comment. Comment vous voyez cette problématique-là ? Je ne sais pas si Caroline, tu veux démarrer, pas forcément, si. Ouais, vas-y. Pour moi, le bon fruit, en tout cas pour ce que je fais avec Ostobox, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est en ayant une entreprise hyper vertueuse, dans le sens où chez Ostobox, pour le moment, je suis toute seule, mais j'embauche des personnes qui sont en situation de handicap quand je le peux. Pour les différents maillons de la chaîne. Il y a une personne qui est en situation de handicap qui m'a aidée pour faire le site internet. J'embauche un ESAT pour imprimer les livrets. On met des petits livrets dans les box. Avec dedans, il y a des jeux, il y a des défis, il y a des inspirations de musique, de podcasts, de livres. Enfin, vous verrez. Et en fait, donc j'embauche ces personnes qui impriment ces livrets. Ensuite, il y a des petits gâteaux qui sont à l'intérieur, qui sont également fabriqués dans un ESAT à côté de Nantes. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une boucle hyper vertueuse pour se dire, en fait, je ne vais pas aller acheter mes produits à l'autre bout du monde et les revendre un max ici et de se faire un gros bénéfice. Ce n'est pas vraiment, en tout cas, l'intérêt, même si c'est important de faire du chiffre d'affaires, ce n'est pas l'intérêt premier de la box. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir aux gens tout en ayant des valeurs, des bonnes valeurs derrière la boîte. Et ensuite, le bon fruit, ça va être également ce que moi, je vais dispenser. J'ai un peu l'impression d'être la mère Noël quand j'en parle, mais ça fait très... on offre des cadeaux aux personnes qui sont hospitalisées pour leur apporter de la joie.
Et on a tous été, quand on était plus jeunes, on attendait sous le pied du sapin notre cadeau au moment de Noël. Et ben là, ça a un peu le même effet que j'espère que les gens vont avoir. Surprise, on t'offre une Ostobox. Et les valeurs de l'Ostobox, c'est vraiment la joie, le fun, le dynamisme, et essayer de changer un peu la tête de ce qu'on peut vivre à l'hôpital. Et pour la petite histoire, en fait, Ostobox, ça vient de mon histoire personnelle. Il y a 6 ans, du coup, quand j'ai eu mon accident, j'ai été hospitalisée pendant quasiment 8 mois, donc hospitalisation complète à l'hôpital. Et j'ai de la famille, des sœurs et des cousines qui me voyaient quand même un peu trépigner. Parce que le temps est long et souvent on peut être derrière son téléphone, derrière son ordinateur ou en train de parler avec d'autres patients, mais on ne prend pas vraiment du temps pour soi. Et l'idée avec Ostobox, c'était aussi de se reconnecter un petit peu avec les choses que je n'avais pas le temps ou que je ne prenais pas le temps de faire. Et du coup, à l'intérieur, il y avait, par exemple, il y avait des crèmes, il y avait des livres. J'ai eu un Polaroid aussi avec un album photo. Donc maintenant, j'ai un album photo plein à craquer de super souvenirs de l'hôpital. Et en fait, l'idée avec Ostobox, c'est vraiment d'essayer de changer ce prisme, te dire pas que l'hôpital, c'est casse-pied. Oui, ça l'est, je vous le confirme. Mais on peut essayer de tourner ça autrement. Donc le bon fruit, pour moi, c'est un peu tant sur le point de vue entreprise de ce que moi je peux faire que sur ce que j'arrive à dispenser avec Ostobox. Alors pour la petite histoire, ça se voit pas aujourd'hui, mais je suis encore réhospitalisée à la suite d'un deuxième accident que j'ai eu en janvier. Donc c'est un peu exceptionnel que je puisse être là avec vous aujourd'hui. Et donc si vous allez sur le site internet, malheureusement vous ne trouverez pas grand chose pour le moment, parce que comme je suis toute seule dans l'entreprise, du coup j'ai dû mettre en stand-by le site internet. Mais je vous invite quand même éventuellement à laisser votre adresse si ça vous intéresse, pour que je vous envoie un petit mail quand je serai de retour à la maison pour faire tout ça. Merci Caroline. Ah, il faut quand même dire que je crois que c'était quoi, vendredi dernier ou... Ouais. Enfin, il y a moins d'une semaine, son toubib, parce qu'elle était à l'hôpital, il y a moins d'une semaine, son toubib a dit « Non, non, tu n'iras pas à Bordeaux. » Et Caroline est à Bordeaux. Alors, Michel, sur cette question du bon fruit. Ton micro. Micro, oui, ça va aider. Quand nous nous sommes retrouvés en visio pour préparer, j'ai réalisé que vraiment nos apeurs, enfin, nos points de vue sont bien sûr différents, et que sans trop me forcer, je vais m'attacher pour produire de bons fruits, de bons raisins, à la vigne. Comment prendre soin de la vigne? Je ne sais pas quelle image vous avez des conducteurs routiers. Elle est rarement bonne. Ces hommes et ces femmes, trop souvent, entendent des phrases du type « Toi, tu n'es qu'un tourneur de volant ». Alors, dans un tel contexte, comment permettre à ces personnes de trouver du sens à leur travail au quotidien? Comment les aider à ressentir la dignité de la mission qu'ils accomplissent? C'est entre autres pour répondre à ces questions que l'histoire de notre entreprise est jalonnée par la mise en place d'outils, de pratiques. Comme en 1965, nous avons créé un service formation. À l'époque, une entreprise de notre taille dans le transport routier, un service formation, c'était incroyable, un peu révolutionnaire. En 1988, nous créons notre propre école pour former des jeunes au métier de conducteur. À peu près à la même époque, nous lançons le premier accord d'intéressement, le premier plan d'épargne, et depuis 1993, tous les salariés qui le souhaitent peuvent devenir actionnaires de l'entreprise. Et en 2012, nous nous lançons dans une transformation culturelle de l'entreprise visant à ce que les équipiers GT puissent grandir en autonomie et en responsabilité.
Et pour parler de cette expérience, je vais vous parler de deux vignes que nous avons plantées et qui produisent du bon fruit. La première vigne élaborait notre raison d'être de façon collaborative. Nous avons proposé à l'ensemble des salariés qui le souhaitaient de s'associer à cette démarche de travail sur la raison d'être. Le nombre de volontaires a dépassé nos espérances. Ainsi, pour une réunion qui marquait une étape majeure dans le processus, nous avons dû nous limiter, pour des raisons d'organisation, à 120 personnes. Sur ces 120 personnes, les deux tiers étaient des conducteurs routiers. Nous voulions, pour cette journée, une ambiance festive. Ainsi, la salle n'était pas disposée comme aujourd'hui, avec une tribune et puis des bancs, mais était organisée avec des tables rondes, autour desquelles il y avait 7-8 personnes. Et tout au long de la journée, le travail a alterné entre ces petits groupes et bien sûr les échanges avec toute la salle. Chacun s'impliquait avec bien sûr du sérieux, de la bonne humeur et souvent beaucoup d'émotion. En effet, pour de nombreux participants, c'était la première fois que leur parole était ainsi prise en compte. Dans les jours qui ont suivi, a commencé un travail assez ardu de rassembler toute cette masse d'informations en étant fidèle à ce qui avait été produit ce jour-là et en même temps arriver à une expression compréhensible, simple, de notre raison d'être. Deuxième vigne, elle concerne plutôt la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Dans nos métiers du transport routier, ça s'y prête bien, parce qu'au fond, ce sont des métiers dont les process sont assez simples, mais dont la mise en œuvre au quotidien est soumise à beaucoup d'aléas. Pour parler de façon un peu triviale, nous gérons les emmerdes pour le compte de nos clients. Aussi, la façon dont les conducteurs peuvent prendre les bonnes décisions au bon moment est vraiment un atout majeur dans ce type de métier. Nous avons expérimenté et mis en place des équipes autonomes, au sein desquelles nos conducteurs, par exemple, organisent eux-mêmes leur planning de travail, leur planning de congés payés, gèrent la maintenance des véhicules, et pour ce faire, ils ont, sur une application smartphone, toutes les informations nécessaires à toutes ces tâches. De la même façon, quand un collègue est malade, quand un véhicule tombe en panne, dans la mesure du possible, ce sont eux qui font face à la situation. Et bien sûr, ces conducteurs participent au recrutement de leurs collègues. Voilà donc deux exemples de vignes qui permettent de produire du bon fruit. Et peut-être que la semaine prochaine, quand au détour d'une rue, sur la route, vous croiserez un camion, vous aurez une pensée pour celui ou celle qui est au volant de ce camion. Merci Michel. Alors, Nicolas, est-ce que tu utilises des camions de Michel pour... Pas encore, non. Mais on travaille. Et c'est, tu disais qu'on n'a pas forcément une bonne image tout le temps des chauffeurs routiers. Moi, j'en ai deux dans ma famille, donc je commence à. Je vois bien l'idée. C'est à mon tour ? Alors. C'est dommage, je pensais passer après toi. Mais, moi, ma conviction sur le bon fruit, c'est que le comment ne peut pas être une excuse pour avoir un mauvais quoi. Je pense que le. C'est pas forcément simple de regarder en face ce qu'on est en train de faire. En fait, je voulais rebondir après Armel parce que son parcours est assez éloquent là-dessus. Je suis désolé. Mais si on crée une entreprise ou qu'on dirige une entreprise qui rame pas dans le même sens que le reste de la société, on peut pas, je pense, juste essayer de compenser en créant la meilleure société pour ses salariés, pour son environnement proche.
Je pense qu'on n'est plus dans le même contexte que, par exemple, le contexte de l'après-guerre, où il s'agissait de créer de l'emploi, créer de la dignité pour les gens. Et c'est toute la philosophie, finalement, des entrepreneurs chrétiens, c'est de réussir à apporter aussi aux gens. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde se plaint des difficultés de recrutement. Et je pense que l'entrepreneur, il doit avoir l'humilité de se dire que aujourd'hui, quand il embauche des gens, il prend la responsabilité de faire travailler une partie de la société. Et potentiellement, c'est un autre entrepreneur qui n'aura pas la capacité d'embaucher ces mêmes personnes. Donc, on est sur un monde à ressources finies. Et je pense que la notion de ressources humaines, qui n'est pas un terme que j'apprécie, mais qui elle est aussi finie. Donc, si à un moment, vous prenez la décision d'embaucher quelqu'un pour le faire travailler dans votre société, si votre société ne va pas dans le bon sens, si votre société elle est pas vertueuse pour le reste de, par exemple, du pays, finalement, vous allez dégrader la situation standard. Peut-être qu'en laissant la chance à cette personne d'être recrutée par quelqu'un d'autre, qui potentiellement fait un quoi qui est meilleur, ça serait mieux passé. Donc, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment reconsidérer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Le comment, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en créant notre société, c'est de mettre le quoi au centre de la chose et de faire que le comment, en fait, c'est qu'une cohérence générale. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que moi, j'essaie de faire de l'écologie, de rendre le monde durable et plus sympa, et puis en même temps, avoir des conditions de travail qui ne sont pas bonnes, pas avoir de participation des salariés, avoir une ambiance au travail qui est misérable. Je pense que le quoi peut apporter le comment, mais le comment est pas suffisant, se suffit pas à lui-même. Merci. On va être un peu déplacé ce matin, et c'est à dessein. Alors Armel, sur cette question sur laquelle Nicolas voulait rebondir. C'est pas simple. En fait, moi, il y a un principe qui m'habite depuis que j'ai fait le parcours Zaché. Merci Pierre-Yves Gomez. Un principe de la pensée sociale chrétienne, c'est l'homme vu comme co-créateur du monde avec Dieu. La vache. Et du coup, pour moi, une manière de me dire, bah tiens, est-ce que je suis dans le juste ? Est-ce que je suis dans le vrai ? C'est la maman qui parle. Rappelez-vous quand vos enfants vous rapportent un dessin quand ils étaient petits. Ils vous rapportent un dessin en disant, maman, regarde, j'ai fait un beau dessin. Tout plein de joie, de fierté, les yeux brillants. Moi, je me dis, si je peux faire pareil avec Dieu le soir, en lui disant, regarde, Seigneur, ce que j'ai fait là et ce qu'on a fait ensemble, comme c'est beau et comme c'est bon. Je me dis que je suis dans le vrai. Et y a un truc, en fait, tout simple, qu'on ressent ou pas, c'est la joie. En fait, c'est la joie profonde quand on sent que ce qu'on fait, c'est bien. Tout simplement. Voilà. Et donc moi, cette joie, je la ressens, y a un moment où je l'ai ressentie encore, il n'y a pas longtemps du tout. Entre autres activités, j'accompagne des groupes dans la nature, dans les Cévennes, avec une amie qui est protestante. Et on les aide à faire un chemin de discernement sur leur vie et à s'émonder, donc à lâcher tout ce qui les pollue, tout ce qui leur prend du temps, tout ce qui ne sert à rien. Tout, voilà. Et puis à se recentrer sur vraiment ce qui est essentiel pour eux et ce sur quoi ils pensent qu'ils ont quelque chose à apporter au monde et une mission, une contribution à apporter. Et quand ils repartent, ils ont changé de tête en fait. Ils sont tout bien quoi. Ils sont tout dilatés de joie, l'œil brillant, la truffe humide, l'oreille en l'air. Et on les remet à la gare de Nîmes, et ils pètent le feu quoi. Et là, je me dis que je suis au bon endroit, parce que là, je me dis, je les ai débarrassés de tout ce qui les pollue, de tout ce qui les plombe, et ils vont repartir dans le monde et ils auront une super mission. Et ça, je me dis que c'est utile. Alors autrement, j'ai un truc à partager avec vous, c'est toutes les fois où je me suis plantée, en fait il y en a eu plein, ça peut aider aussi à réfléchir. Il y en a au moins deux en fait dans ma vie. La première, c'est quand j'ai commencé à travailler dans le conseil en sortant d'école
J'ai été formée au coaching dès que je suis sortie de l'EM Lyon. Et du coup, bah, le comment, il était super. Hein. Alors, c'était génial, on animait des réunions dans des comex, hyper haut placés. Je passais ma vie à la défense avec des grands patrons. On s'écoutait, c'était merveilleux. On utilisait la communication non violente, des super outils de facilitation. Enfin, c'était formidable. Voilà. Et puis, jusqu'au jour où patatras, mon boss est venu me voir et me dit, Armel, est-ce que, tiens, j'ai pensé à toi là, pour une mission pour l'UNICEF. Ça serait super parce qu'en fait on pourrait les aider à récupérer encore plus d'argent. Et là je le regarde et je lui dis ça va pas être possible parce qu'en fait l'UNICEF ils font quoi? Alors ils vaccinent des enfants, hein, ça c'est sûr, mais à côté aussi c'est eux qui financent le planning familial dans le monde entier et qui promeuvent l'appartement partout en fait. Et ça, j'ai dit, en fait, si mon job, ça consiste à améliorer la manière de bosser à l'UNICEF pour qu'on avorte encore plus dans d'autres pays du monde, c'est pas possible. Donc ça, j'ai expliqué à mon boss et je lui ai dit, écoute, vire-moi si tu veux, mais moi, je le ferai pas, en fait. Bon, il m'a pas viré, il a été sympa, il m'a dit, écoute, je comprends. Donc, premier patatras, je me suis dit, quand même, mince, on peut avoir des super outils, mais on les met au service de quoi? Et deuxième patatras, et c'est là où il y a un gros discernement à avoir, je me suis dit, mais je travaille au service de qui, au service de quoi? Et en fait, il y a aussi un petit examen de conscience que je me suis fait un jour, où je me suis dit, ouais, c'est hyper stimulant, c'est passionnant intellectuellement, on a un peu l'impression d'être dans le sein des saints, on est dans des comex le soir à 20h, on sauve le monde, c'est merveilleux. Puis pendant ce temps, j'avais deux enfants à la maison que je ne voyais jamais. Jamais. Et puis le pire, c'est qu'on s'habitue hein, quand on ne les voit pas. Alors je suis comme ça, le summum, c'est un jour où je suis partie animer un séminaire de deux équipes de direction qui fusionnaient, Total, Fina et Elf. Et je suis partie pendant 4 jours à Cabourg et j'ai laissé mon fils qui à l'époque avait une bronchiolite. Et j'avais la nounou qui m'appelait tout le temps, qui disait ça va pas. Et puis j'ai mis 4 jours à rentrer quoi. Et c'est la nounou qui a géré, c'est pas moi. Je ne suis pas fière quand je vous le raconte. Mais en fait, on s'habitue. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est n'importe quoi, en fait. Je le fais pour qui, tout ça? C'était de la fierté mal placée. C'était de la... En fait, il y a un côté très grisant là-dedans, d'être là où il se passe des trucs qui sont super. C'était pas OK. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir et de monter ma boîte, et donc de bosser moi. Donc ça, c'est la première prise de pied dans le tapis. Puis après, la deuxième prise de pied dans le tapis, qui est encore plus compliquée, encore plus insidieuse, encore plus tordue, c'est quand j'ai monté ma boîte dans le textile. Où en fait, on s'est dit, ouais, ça va être super, alors on va bosser dans la joie. Alors on a fait des trucs super. Hein. On s'est éclaté, alors la joie, elle était là. On a formé des gens, on allait chercher des gens qui venaient de loin. On les a aidés à se révéler leurs talents, c'était extra. Super ambiance, du temps gratuit donné pour faire des choses partout. Enfin, formidable. On a essayé plein de trucs super. Et là où j'ai commencé à me rendre compte qu'on pédalait dans la semoule, vraiment, c'est quand j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de joie, en fait, au bureau. Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet, c'était celui de Capucine, mon associé, et moi, qui était un projet social. Mais qu'en fait, en vrai, on produisait quoi? On produisait de la fringue. Alors, il y avait quand même une caution qui était chouette, hein, c'est que c'était des vêtements de grossesse et d'allaitement, et que par ce biais-là, on incitait les femmes à allaiter plus et à créer un lien mère-enfant. OK, ça, super. Mais en fait, le temps passant, je me suis aperçue que l'essentiel de mon temps, je le passais à draguer des Instagrammeuses pour qu'elles portent mes vêtements et qu'elles les mettent en avant. À vendre toujours plus, à passer ma vie dans l'avion, à polluer hein, gaillardement, et puis à inciter les gens à acheter des produits dont finalement ils n'avaient pas vraiment besoin. Et puis qu'à la maison, j'expliquais à mes enfants que ce qui rend heureux, c'est les liens, c'est pas les biens. Donc je leur disais ça le soir. Au moment où ils voulaient que je leur achète la nouvelle paire de baskets. Mais le lendemain matin, je retournais au bureau et puis pleine d'enthousiasme, je retournais à la mine là, comme Blanche-Neige et les 7 nains et puis on continuait à vendre des fringues, toujours plus. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est n'importe quoi en fait. Donc on faisait, le comment était bien, mais le pourquoi et le quoi, ça n'allait pas du tout. Et ça n'allait pas parce qu'on était dans cette espèce de délire consumériste, dans ce côté très image, hein, parce que clairement, la mode, c'est hyper superficiel, clairement. Clairement, plus on produit, plus on pollue. Et donc, le jour où on a vraiment réalisé ça,
Et on s'est dit, c'est pas possible. Donc avec toujours la même associée, toujours la protestante, qui était protestante aussi. On est parti, on s'est installé dans un café, on a pris notre plan de trésor, et on s'est dit, si on arrête là, et qu'on fait les choses bien, donc on recase tous nos salariés, on voit ce qu'on fait, qu'est-ce que ça donne, quoi. Donc on a bidouillé le plan de trésor, on s'est dépatouillé pour que ça tombe à peu près sur zéro. On a invoqué l'Esprit Saint toutes les deux, et on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a refait le plan de trésor, on est à peu près retombé sur zéro. Et on s'est dit, on arrête. Et on n'a jamais été aussi heureuse et joyeuse que le jour où on a dit qu'on arrêtait. Voilà. Alors, en vous écoutant tous les quatre, clairement, il y a... Pour penser cette question du bon fruit, il y a la nécessité de distinguer l'entrepreneur de l'entreprise. Nous ne sommes pas nos entreprises et nos entreprises ne sont pas nous. Et hier, ça a été dit autrement. À un moment, on a entendu que seulement 12% du temps de notre vie était consacré à nos entreprises. Et donc, ce dont on parle, c'est d'un chemin de vie. Alors, sur cette question d'entrepreneur, entreprise, c'est pareil, c'est pas la même chose. Peut-être commencer par toi, Michel. Parler du rapport au temps. Tu as le privilège d'avoir dirigé la même entreprise pendant des années, des années, des années. Et donc, tu as forcément, sur cette question du rapport au temps, une perspective... unique. Oui, je rebondis sur ton interpellation, Nicolas. Au fond, nous sommes, en tant que dirigeants, un peu le fruit des circonstances d'une époque, d'un moment. Et sauf si on arrête Armel, une entreprise dure plus longtemps que nous. Donc la question de la vente... de l'arrêt éventuellement, de la transmission, nécessairement se pose aux dirigeants. Et il y a un moment où quand on a un certain âge, nous ne sommes plus celui ou celle le mieux adapté pour répondre, par exemple, à la question que tu poses, Nicolas, une question vraiment fondamentale. En tout cas, moi, je le reçois comme tel. Donc je vais vous raconter un peu comment on s'y est pris pour, dans notre entreprise, GT Solutions. Au fond, je vois au moins dans cette histoire quatre parties prenantes dans une transmission. Il y a bien sûr le dirigeant qui reprend le flambeau, celui qu'il transmet, les actionnaires et l'entreprise elle-même à travers ses salariés. Le dirigeant qui reprend le flambeau. En l'occurrence, dans notre entreprise, c'est Mathieu, un de nos enfants, qui est aussi dans la salle. Donc vous pourrez vérifier auprès de lui si ce que je raconte, si j'exagère pas ou si j'embellis pas trop la mariée. En 2014, Mathieu, qui menait sa vie professionnelle de façon magnifique, me dit « Écoute, papa, je peux me rendre disponible pour rejoindre l'entreprise. » Vous imaginez le sentiment de joie et en même temps la responsabilité que ça peut représenter. Voilà, enfin bon, il y a un peu d'émotion là. Donc, bien sûr, il y a la question de la compétence, la question du goût, pour tout dirigeant, c'est incontournable. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la question de la liberté d'un tel choix. Aussi, avec l'aide de Frédéric, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mathieu et Frédéric ont entamé un vrai travail de discernement, avec beaucoup d'exigences, pour s'assurer que les conditions du deal étaient bien remplies. Maintenant, le dirigeant qui passe le flambeau, en l'occurrence, c'était moi. Là, c'est assez simple. Il y a une image à retenir.
c'est la course de relais 4 fois 100 mètres. Si celui qui transmet le relais ne le lâche pas, on fera peut-être rire les spectateurs, mais c'est foutu pour l'équipe. Donc, à partir du moment où nous avons préparé le processus, à partir du moment où le tuilage a été réalisé, où la fête de départ a eu lieu, ma responsabilité était de me retirer vraiment. Troisième partie prenante, les actionnaires, donc en l'occurrence, surtout les actionnaires familiaux, même si nous avons donc des actionnaires salariés, mais des actionnaires familiaux. Là, nous partions de loin, parce qu'à notre génération, nous sommes trois frères, et on peut dire que la gouvernance que nous avons eue, bon, ça a plutôt bien marché, hein, mais c'est une gouvernance assez intimiste. Hein, Donc tout l'enjeu, ça a été, depuis une quinzaine d'années, de faire monter en conscience et en compétence les actionnaires familiaux de la jeune génération. Et depuis quelques années, de proposer à certains d'entre eux de se former pour rejoindre la gouvernance de l'entreprise et de faire vivre réellement cette gouvernance. Et enfin, la quatrième partie prenante, l'entreprise elle-même, à travers ses salariés, dans une entreprise familiale, beaucoup d'entre nous, nous le savons, nous l'expérimentons tous les jours, la direction générale est très incarnée et souvent elle s'inscrit dans la durée. Aussi, le changement de directeur général peut être un moment de fragilité, très sensible en tout cas, pour les salariés de l'entreprise. Comme depuis 2012, nous étions engagés dans ce chemin de transformation assez fabuleux, le changement de DG a été un non-événement, ou plus exactement, ça a été un changement parmi beaucoup d'autres changements que les équipes avaient vécu. Donc pour revenir au thème de nos assises, peut-être qu'un des plus beaux fruits que j'ai apporté à l'entreprise, ça a été de me retirer avant que le fruit en question soit trop mûr, voire gâté. Waouh! Notre ami chef d'orchestre hier disait « Je suis invisible, je suis au centre du cercle, personne ne me voit. » Nicolas. Alors Nicolas, comment comprendre ce que tu as décidé de faire ? Tu avais un avenir, on va dire, aux yeux de beaucoup, brillantissime devant toi. Aujourd'hui, tu pourrais être chef de projet chez Elon Musk, à faire décoller des fusées, à gagner des millions de dollars. Et tu as décidé de repartir chez toi, en Anjou, pour un projet industriel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? C'est quoi cette histoire ? Alors, je voulais faire du spatial, parce que le spatial, déjà, c'est l'humilité face à l'univers. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, j'essaie de comprendre un peu c'est de sortir de notre planète et de comprendre l'immensité de l'univers, et je trouve ça fabuleux. Et c'est fabuleux parce que c'est en dehors de notre capacité de réflexion. À mon sens, c'est l'infiniment grand et à la fois fabuleux et terrifiant. Et donc quand j'ai fait mes études, je me suis dit, bah, je voulais faire super-héros, parce que super-héros, c'est vraiment le truc pour faire du spatial. Il y a des astronautes qui font super-héros, c'est vraiment top. Mais à un moment, j'étais un peu tiraillé quand même, parce que je me disais, le spatial, c'est sympa, c'est l'avenir de l'humanité, continuer à explorer, mais il y a quand même des problématiques qui nous arrivent sur le coin de la tête là. Mon père dit toujours, faut pas faire le deuxième tour avant d'avoir gagné le premier, en citant Jospin. Et il y a vraiment cette problématique là, à mon sens. Ça sert à rien de se dire pour les 200 prochaines années on est en train de construire un truc alors que potentiellement dans 50 ans c'est la merde ici. Donc il y a vraiment cette question là et comme mon père il est venu me voir avec son idée, j'étais encore à l'école, donc je vous ai dit tout à l'heure, mon père tailleur de pierre, lui sa réflexion de tailleur de pierre en Anjou, c'était en Anjou on a des calcaires, donc le tuffeau, il fait les châteaux de la Loire, j'ai quelques camarades dans la salle que je connais qui ont leur propre petit château en tuffeau, ils sauront ce que c'est. Donc lui, il se disait, le calcaire des châteaux de la Loire, c'est en fait les déchets des dinosaures, c'est le poisson du Crétacé
qui est mort dans l'océan et qui s'est sédimenté progressivement pour devenir un caillou. Donc c'est la fossilisation de tous ces déchets. Et il s'est demandé si on ne pouvait pas répliquer pareil avec nos propres déchets à nous, mais en accélérant tout ça. Donc, il est venu avec son idée. Et moi, alors lui, ce qui le passionnait, c'était de faire du caillou. Parce que c'est un passionné du minéral, c'est une sorte de boulanger comme ça qui arrive à faire des choses. C'est assez fabuleux. Il ne réfléchit pas comme nous, enfin pas comme moi en tout cas. Je sais qu'il y en a dans la salle qui le connaissent aussi, donc ils comprendront ce que je dis. Mais moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, son truc, ça a l'air d'avoir un vrai potentiel d'impact sur la société, et l'impact environnemental en particulier. Et donc j'ai commencé à calculer, et j'ai calculé que si on traitait tous nos déchets comme ça, on pourrait réduire de 7% l'empreinte carbone du pays. Et Armel en a parlé un peu tout à l'heure, mais à mon sens, il faut vraiment qu'on intègre, enfin, moi, c'est mon militantisme qui dit ça, mais vraiment qu'on intègre la problématique que la crise climatique, écologique, de biodiversité, tout ça, du vivant qu'on est en train de vivre, c'est une catastrophe. Et on ne peut pas célébrer la vie sans se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de détruire là, par notre société. Et donc, moi j'ai voulu, maintenant je me suis dit, je voudrais dédier ma vie, ou en tout cas une très grande partie, à trouver des solutions à ce problème fondamental de notre siècle, qui fait que s'il n'est pas résolu, on aura moins de problèmes dans le siècle prochain, parce qu'on sera moins là. Mais à mon sens, c'est moi ma mission d'entrepreneur, c'est comme ça que je me la suis définie, c'est pas de créer ma société et de la faire prospérer le plus possible. Je pense que je suis bon à potentiellement créer des sociétés, à essayer de changer des modèles, mais je ne serai pas forcément bon à la tenir toute ma vie. Je ne pense pas que je sois un dirigeant fait pour diriger une entreprise de 2000 salariés. Ce n'est pas quelque chose où je m'en sens les compétences, et en même temps, ce n'est pas quelque chose où je sens que je vais avoir le plus de plus-value. Et donc, moi, mon rêve, c'est, une fois qu'on a bien lancé cette société-là sur les rails, alors, j'ai pas envie de vendre parce que c'est une société familiale. J'ai mon frère, j'ai ma mère, j'ai un cousin dedans, j'ai mon père également, bien sûr. J'ai pas envie de vendre, mais j'ai envie de pouvoir commencer à essaimer d'autres projets. Et j'ai une liste dans mon portable avec tous les trucs que je voudrais faire. Et je suis en train de ronger mon frein parce que je me dis bon, il faut que t'attendes et prends ton temps. T'inquiète pas, t'es pas encore très vieux, mais. Mais pour moi, ma mission d'entrepreneur, c'est ça, c'est d'aller essayer de répliquer ce qu'on est en train de faire là, mais dans tous les secteurs. Et je pense que c'est important d'essayer de prendre du recul avec la mission de mon entreprise en elle-même, et rester cohérent, mais me dire que je ne suis pas mon entreprise, comme tu l'as dit. Et je pense que je peux être plus que ça, et je vais essayer d'être plus que ça. Merci Nicolas. Alors, Caroline, tu développes Ostobox, mais c'est une partie de ta vie. Tu as un combat d'entrepreneuse aussi, qui te tient à cœur, et donc tu es beaucoup plus que fondatrice d'Ostobox. Il y a cette mission autour des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, complètement. Effectivement, Ostobox, c'est une partie de ma vie et je fais ça entre guillemets un peu pour le fun parce que ça m'éclate de pouvoir apporter de la joie et de la bonne humeur aux gens qui sont à l'hôpital comme moi j'ai pu en recevoir et parce que je pense que la partie psychologique est énorme dans la reconstruction à la suite d'un accident ou d'une maladie. Mais j'ai un autre gros combat dont je suis très intimement concernée, et du coup, qui est le handicap. Et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment de montrer aux gens qu'en fait, on peut se retrouver devant, je ne sais pas combien on est ce soir aujourd'hui, mais 2000, au moins 2500 personnes dans la salle, et de prouver que oui, en fait, on peut être là, que oui, on a notre place ici, on a notre place dans la société. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye un peu d'invisibiliser les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'elles ne sont pas comme la norme. Du coup, il y a peu de choses, si de plus en plus, mais il y a quand même
pas énormément de choses qui sont faites. Et j'essaye de plus en plus de prendre la parole, essentiellement sur LinkedIn, c'est un peu mon réseau de prédilection, où il y a de plus en plus de personnes qui suivent ce que je raconte. Et du coup, je me dis que ça intéresse, que les gens ont aussi envie peut-être de faire un peu bouger les choses. Je vois de plus en plus de personnes qui embauchent des personnes en situation de handicap dans leur entreprise, mais c'est toujours pas suffisant. Et le nombre de personnes que je connais ou bien qui me contactent directement sur LinkedIn en me disant « Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait embaucher ?» Je dis « Malheureusement, moi, personnellement, non. Mais les personnes en situation de handicap, en général, il n'y a pas besoin d'une grande adaptation pour pouvoir les accueillir, chose qui souvent peut faire peur dans le recrutement d'une personne, parce qu'on peut se dire en fait je sais pas ce dont elle a besoin, je sais pas comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'adresser à elle. En fait, il faut juste lui demander, tout simplement. C'est elle qui serait la plus à même à répondre. On a plein d'idées, plein de préjugés sur toutes ces personnes. Et en réalité, juste posons-leur leurs questions. Si ça se trouve, nous on se faisait une montagne de ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait avoir comme adaptation, et si ça se trouve, non, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un combat que je porte aussi au quotidien, et de plus en plus aussi, je vais je suis allée au Puy du Fou. C'était en septembre. J'ai trouvé que le parc était super bien accessible, mais qui pour moi manquait un petit peu d'inclusion. On va dire. Je fais une grosse différence entre l'accessibilité et l'inclusion. L'accessibilité, c'est vraiment, il y a une rampe, un peu raide, mais il y a une rampe. Et l'inclusion, c'est d'être là, au milieu des autres intervenants. Et c'est pas être juste sur le bord ou en bas, ou bien tout le monde avec un manche debout et moi à côté. Voilà, l'inclusion, c'est vraiment être faire partie intégrante du groupe. Et je trouve que ça manquait un peu au Puy du Fou. Donc, j'ai écrit un article sur LinkedIn en les encensant, en disant que c'était génial, mais qu'il manquait un petit peu d'inclusion. Et résultat des courses, on travaille ensemble justement pour plus d'inclusion, pour plus de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment un combat que je mène aussi au quotidien. À la base, ça partait d'un côté, je vous l'avoue, très égoïste de ma part, parce que j'en ai marre de galérer dans la vie, et je me suis dit que si les autres ne font pas en sorte de faire changer les choses, moi, j'allais faire changer les choses. Pour moi, déjà dans un premier temps, parce que ma vie, c'est galère. Mais que j'allais le faire surtout pour les autres aussi. C'est pas rare d'aller se balader à droite à gauche avec des copines qui sont elles aussi en fauteuil. Et au final, de dire « Ah ben là, il y a 4 personnes en fauteuil qui veulent prendre le train en même temps. » Ah non, désolé, c'est pas possible. Sur quasiment plus de 800 places qui existent dans un train, il n'y en a que 2 pour les personnes en fauteuil roulant. Donc je vous laisse imaginer la galère. Je vous laisse imaginer la galère que c'est quand on est 4 personnes en fauteuil roulant et qu'on veut prendre le train pour venir. On était à Bordeaux récemment, et alors une ville très chaleureuse, et c'était très sympa d'être là parce que le tram est très accessible, mais c'est vraiment une galère au quotidien. Donc voilà le combat que moi je peux mener au quotidien, et qui passe du coup par les réseaux sociaux pour réussir à faire connaître un petit peu tout ce milieu qui peut faire peur et montrer que on peut faire encore énormément de choses. Moi, comme je disais tout à l'heure, je fais beaucoup de sport. Je pars l'été souvent 15 jours avec mon vélo, ma sœur ou des amis, enfin une de mes sœurs ou des amis, la tente derrière mon vélo, et puis on part 15 jours à l'aventure. On fait 400-500 km et c'est aussi ça la force de ce qu'on peut faire, c'est de montrer aux personnes qu'on croise sur la route on est comme vous, on part à l'aventure et on fait plein de choses absolument géniales et incroyables également. Merci. Le travail n'est pas que dans notre entreprise, on a entendu ça hier. Alors Armel, tu en as déjà un peu parlé, mais mon petit doigt me dit que tu nous as pas tout dit sur... tu diriges une entreprise textile qui produit beaucoup de bons fruits. Et puis, tu arrêtes tout et tu décides de te lancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ça ? Ouais. Petite précision, je n'ai pas fermé la boîte, je l'ai vendue finalement.
Et donc, grâce à ça, merci le chèque. Ça m'a donné à la fois la possibilité et du coup aussi la responsabilité de prendre du temps, parce que je pouvais me le permettre, pour créer un projet qui aille dans le bon sens. Et du coup, la Convention des entreprises pour le climat, elle est née à la fois de mon expérience et puis d'expérience d'autres personnes que j'avais autour de moi qui étaient toutes arrivées un peu face au même sujet, qui était de se dire... En fait, si on ne change pas, c'est ce que dit Nicolas, on va dans le mur. Et ça fait longtemps qu'on se dit « Ah, il faut faire attention à la planète, il faut faire attention aux générations futures. » Alors en fait, ce n'est pas les générations futures, hein, c'est maintenant hein, qu'on est dans la merde. Ce n'est pas dans 50 ou dans 80 ans, c'est maintenant que ça commence. Et nous-mêmes, on sera impactés par ce qui va se passer. Et après, ce n'est pas la planète. En fait, la planète, elle vivra très bien sans nous, même si les humains meurent. Il y aura d'autres équilibres qui se trouveront, mais en fait, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience du fait que le vivant est un continuum. En fait, on est inclus dans le vivant et on en est extrêmement dépendant. Alors, en termes à la fois de vie humaine, et puis aussi, là, je vous regarde tous, vos business models, ils sont hyper liés à la nature, même si vous ne le savez pas. Il faut savoir que 40% des entreprises sont dépendantes d'assez près des services rendus par la nature, qu'on appelle aussi des services écosystémiques. Donc par là, on entend par exemple le fait d'avoir de l'eau propre, des paysages jolis, une plage toute belle, la capacité de nourrir des gens, la capacité d'avoir des formules naturelles pour la cosmétique ou pour la pharmacie par exemple. Donc en fait, imaginez que ces services-là s'effondrent, ce qui est en train d'être le cas. Ça veut dire que la pharmacie, l'agriculture, l'alimentation, le tourisme, tout le reste, tout tombe. Donc en fait, si je suis là pour vous parler, c'est pour vous dire un truc très simple, c'est qu'en fait, moi je viens du coup de la frange des écolos, là, que beaucoup de gens connaissent mal, ça fait 4 ans que je suis là-dedans, et je me sens souvent très seule, parce que chez les écolos, des cathos, il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand je parle à mes copains cathos comme nous, là, les CSP+, patrons de boîte, qui vont à la messe, à la paroisse avec moi, et que je leur dis que je suis dans l'écologie, on me regarde en disant « ouais, bon, t'es mignonne, quoi. Allez, rentre à la maison, manger ton quinoa et t'occuper de tes plantes. » Et en fait, les gens pensent que l'écologie, c'est une opinion. Les gens réduisent le problème écologique à une opinion. C'est pas une opinion. Le problème écologique, c'est un fait. C'est scientifique. Si vous... Et vraiment, je vous invite à quelque chose que nous disait il n'y a pas longtemps Nathanaël Wallenhorst, qui est vice-président de la Cato d'Angers, où en l'occurrence j'ai fait une partie de mes études en psycho, et qui disait « Je vous invite à prendre le temps de demeurer dans les faits. Prenez le temps d'aller vous renseigner, d'aller lire des choses, d'aller regarder factuellement, et il y a beaucoup de ressources. » Ce que disent des gens comme Virginie Resson-Victor, comme... Valérie Masson-Delmotte, qui est la rapporteuse du GIEC, hein, qui explique beaucoup de choses très très bien. Tous les scientifiques, les experts du GIEC, alors le gros rapport énorme, il est très très lourd, mais vous pouvez lire la version raccourcie qui fait 60 pages, elle est complètement compréhensible par tout le monde. Et quand vous lisez ça et que vous prenez vraiment le temps de lire, vraiment, ce qui se passe, où on en est, et ce qui va se passer dans tous les cas, et ce qui se passera, et les pires projections du GIEC, si on ne fait rien, c'est dramatique. Et c'est scientifique. Donc moi, je suis là pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'on parle beaucoup de transition écologique. Et en fait, ce n'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont en transition permanente. Donc ce n'est pas d'un seul coup, il y a un point A, et puis un point B, et puis après on a fini. Ce n'est pas vrai. Ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte et qui sont essentiels. Moi, je vous appelle à beaucoup plus que ça. En fait, je vous appelle à faire une conversion écologique. C'est pas la même chose. La transition écologique, c'est comme si on prenait son business model à l'extérieur de soi et puis qu'on se disait, bon, allez, on va le changer, on passe d'un point A à un point B. Et puis, c'est un peu la pédalette extérieure. Et puis, voilà, une fois qu'on aura trouvé le truc, ça sera bon. C'est pas ça. La conversion écologique, c'est vraiment comprendre, et je reviens à cette notion d'homme qui est co-créateur du monde,
Dieu nous a laissé la création, on en est les gardiens, on a tout flingué. Si vous regardez sur les 4,5 milliards d'existences de la Terre, l'homme est arrivé à 23h59, si on compare ça à une journée en fait, hein, sur 24 heures. L'homme est arrivé à 23h59, et à 23h59, une poignée de secondes, est arrivé l'ère industrielle, donc il y a 150 ans. Et en 150 ans, on a tout ratatiné, en fait. On est des prédateurs, on se comporte comme des prédateurs. On détruit tout. On extrait, on jette, et on détruit entre les deux. Et ça, c'est pas possible. Donc on est entré dans ce que les scientifiques appellent l'anthropocène, qui est une nouvelle ère, qui a pris la suite de l'Holocène, qui était l'ère dans laquelle on était bien, on pouvait vivre voilà, de manière juste et bonne et saine. L'anthropocène, c'est le moment où on voit qu'en fait l'homme a un impact qui est tellement négatif sur la Terre qu'en fait il l'a détruit. Et on est en train de détruire les conditions d'habitabilité humaine sur Terre. Aujourd'hui, on est à la 6e extinction de masse étudiée scientifiquement. Des extinctions, on a eu d'autres hein, dans la vie du monde, on le sait. Donc il y a plein de gens qui disent ah bah ouais, mais il y a plein d'animaux déjà qui ont disparu, et puis c'est normal. Ouais, c'est normal. Depuis que le monde est monde, il y a des espèces qui disparaissent, végétales, animales. Mais là, aujourd'hui, on assiste à une disparition des espèces qui est entre 100 et 1000 fois plus rapide que dans la nature, quand on lui fout la paix, en fait, concrètement. Donc, cette conversion écologique à laquelle je vous appelle, c'est vraiment vous dire, c'est une conversion du cœur, de l'esprit, de l'intention, et de se dire en permanence, comment est-ce que je peux ? Je vous rappelle l'histoire du monde et l'histoire de Dieu avec nous, en fait. Dieu, il passe sa vie à essayer de faire alliance avec les hommes qui ne l'écoutent pas, hein, globalement. Et là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire alliance avec Dieu dans son business et puis dans sa vie quotidienne et avec la nature et travailler avec la nature en intégrant les principes du vivant dans sa manière de travailler, dans son business, et c'est possible. Armel. Voilà, et être en alliance, pardon. Je pense qu'on a vraiment bien compris pourquoi tu as changé de vie. Alors là... Là, rappelez-vous, hein, pour ceux qui étaient là hier, Pierre-Yves Gomez, il nous a appelés. Il nous a appelés à devenir des ambassadeurs de Laudato Si, à porter dans le monde Genèse 2. C'est à ça qu'il nous a appelés. C'est aussi à ça que tu nous appelles, Armel. C'est aussi à ça que tu nous appelles, Nicolas. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est là-dessus que le monde peut nous entendre en tant que dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, il y a une soif, comme on disait hier, de ça. Et c'est à nous d'entrer dans ce chemin. Les planètes s'alignent. Alors, on va finir par... Je vais vous demander peut-être en une minute, si c'est possible, de vous mettre un tout petit peu à nu. Parce que pour porter ces projets sublimes, derrière, il y a une personne. Et qu'est-ce qui vous drive, quoi ? Vous avez des égos énormes, vous avez des blessures profondes que vous cherchez à soigner, vous voulez devenir célèbre. Qu'est-ce qui vous drive ? Votre énergie, elle vient d'où ? Est-ce qu'il y a une rencontre, une personne, le Christ ? Qu'est-ce qui vous drive en une minute ? Qui veut commencer ? Je peux me lancer, si tu veux. Ouais, Nicolas, vas-y. J'ai un père tailleur de pierre, une mère assistante de direction, et j'ai été assez rapidement. je voulais faire ingénieur, parce que je voulais construire des choses, je voulais créer des choses. Et à un moment, j'ai dit à mes parents, je veux faire ingénieur. Et ils m'ont dit, très bien, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Par contre, dans la règle dans la famille, c'est si tu essaies de faire quelque chose, tu essaies de faire le mieux, et puis après, on verra où tu tombes. Et donc, mon père, il m'a présenté l'école polytechnique, il m'a dit, tiens, regarde, ça, c'est à peu près le mieux des écoles d'ingénieurs. Regarde si ça t'intéresse. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, ça a l'air pas mal, on va essayer de faire ça. Par contre, il m'a dit... t'es bien sympa Nicolas, mais là quand tu rentres le soir tu fous rien, tu vas pas, c'est pas comme ça qu'on intègre une école compliquée. Donc on a décidé ensemble que j'allais aller en internat
Et cet internat, je l'ai fait à La Flèche, au Prytanée militaire. Donc c'est un internat militaire. je suis sûr qu'il y en a dans la salle encore. Ils sont partout. Et j'ai fait mon lycée, j'ai fait ma prépa, et ensuite j'ai fait mon école. Et là où je voulais en venir, c'est que moi aujourd'hui, j'ai été énormément porté par l'État. C'est-à-dire que je viens d'un petit village de 6000 habitants en Anjou, avec des parents qui ne sont pas polytechniciens ou CSP+. Et le cadre que m'a donné la France sur le lycée, la prépa, l'école derrière, j'ai été payé, nourri, blanchi, logé dans un super cadre éducatif. Tout ça, ça a beaucoup de valeur pour moi. Et je pense que c'est des choses qui restent encore de la fonction méritocratique de la France. Et j'ai beaucoup de mal avec mes camarades qui sont sortis de l'école et qui considèrent que c'est un acquis, c'est un dû. Nous, à l'école polytechnique, on est payé quand même 800 balles par mois quand on est à l'école. Et d'un autre côté, on ne paye aucune de nos scolarités. C'est une des rares chances dans le monde, je pense, d'avoir un niveau d'éducation comme ça. Et j'ai beaucoup de mal avec ceux qui se disent « bah ça, c'est parce que j'étais bon ». Maintenant, je vais aller faire du trading à la City et tout ira bien. Et je pense qu'on a un devoir de rendre finalement ce retour sur investissement qu'attend le pays. Et donc moi, dans tout ce que je fais, j'essaie de rendre au maximum, parce que déjà ça fait plaisir et c'est quand même assez gratifiant. Et puis c'est aussi avoir cette responsabilité de ce qu'on nous a donné. Et pour finir rapidement, donc il y a rendre à l'État et il y a aussi rendre à mon coin, que j'aime beaucoup, l'Anjou, les bords de Loire. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu revenir là-bas, parce que je ne me voyais pas vivre ailleurs dans tous les cas. Et donc voilà. Waouh. Michel. Demain, dans l'Évangile, nous allons entendre ce passage. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'aimerais partager avec vous un souvenir. C'était à la fin de l'année 2011, une année qui, pour l'entreprise, avait été vraiment horrible et pour plusieurs d'entre nous, extrêmement douloureuse. Pour redresser la situation, pour essayer de faire face, nous avions mis en vente une des grandes sociétés, une société significative de notre groupe, qui cristallisait énormément de problèmes. Et c'est une grande entreprise du secteur avec qui on menait les négociations. Nous étions en fin de processus, tout avançait bien. Dans le même temps, avec Béatrice, nous sommes allés aux obsèques d'une personne proche. Et c'était fin novembre, en sortant du cimetière, il faisait quasiment nuit. J'entends le téléphone vibrer, c'était un appel du patron de cette entreprise. Et qui me dit, Monsieur Sarah, j'ai tenu à vous prévenir moi-même, mais nous renonçons à l'acquisition. Déjà que l'ambiance n'était pas très gaie, mais là, c'est devenu vraiment lugubre. Nous avons passé un petit moment avec la famille, et puis nous sommes rentrés à l'hôtel. Et là, dans la chambre d'hôtel, je prends connaissance du mail me confirmant cette nouvelle, qui, pour nous, compte tenu des circonstances, était vraiment catastrophique. Nous sommes nombreux à avoir connu de ces moments où nous nous sentons accablés, terrassés, ou peut-être la seule prière qui monte, c'est celle de Jésus à Gethsémani. Et pourtant, ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, alors que j'étais complètement découragé, le grain de blé semé a été sans doute celui qui a donné le plus de fruits. En effet, dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes lancés dans cette aventure que bien plus tard nous avons appelée la réinvention de notre entreprise et que s'est ouvert pour moi la période la plus féconde de ma vie d'entrepreneur. Merci.
Car... Caroline, il y a quoi derrière cette énergie ? Il y a qui ? Pendant que Michel était en train de parler, j'étais en train de réfléchir justement. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me drive ? Et je pense que ce qui me drive, c'est juste la vie. Je vous disais tout à l'heure, je suis une grande amoureuse de la vie. Et en fait, je pense que plusieurs fois dans ma vie, justement, je suis passée à deux doigts de la mort, ou presque. Et bah, plus récemment, il y a quasiment 2 mois même. Et du coup, je pense que j'étais déjà assez énergique avant mon premier accident. Mais ce qui me drive, c'est vraiment l'envie de croquer la vie à pleines dents. Parce que je sais qu'elle peut être arrêtée à tout moment. Je sais qu'il peut y avoir des complications. Et du coup, je pense que vraiment, c'est à chaque fois que je vois une opportunité, eh ben, je la saisis. Je me suis dit que j'étais un peu la yes girl des temps modernes, on va dire. Et vraiment de se dire, ok, t'as envie de monter une boîte, t'as jamais fait ça. T'as été chef pâtissière dans des hôtels étoilés. C'est pas du tout la ligne directrice que t'avais pris dans ta vie, mais c'est pas grave. Voilà, au moins t'essayes, tu vois ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça réussit pas, en fait, au moins t'auras vécu une expérience et c'était cool. Et je fais ça dans à peu près tout dans ma vie. Du coup, je pense que vraiment, c'est les rencontres que je peux faire. Voilà, je sais pas si on aura l'occasion de discuter, j'espère, après. Et c'est vraiment les petites opportunités, les petites rencontres qui font que après, ça, voilà, quand on se met en mouvement, les choses s'enclenchent et ça permet de faire encore plus de choses et vraiment d'être, je trouve, moi en tout cas, d'être alignée avec ma vie, de toujours vouloir être en mouvement, même si c'est cool aussi d'être un peu calme, mais de pouvoir toujours être en mouvement et de rencontrer des gens. J'ai mis en stand-by au Stobox, du coup, du fait d'être à l'hôpital. Eh ben, je trouve qu'il me manque un truc. Voilà, il me manque cette interaction que je peux avoir avec, je sais pas moi, les fournisseurs, les clients. Enfin, voilà, il me manque vraiment ce truc-là. Et du coup, ouais, moi, ce qui me drive, je pense que c'est d'être en mouvement, c'est de rencontrer les gens, c'est de faire des activités physiques, sportives et de bouger, quoi. Merci, Caroline. Bouger. Armel. Hein. Et ouais, c'est dur, je sais. Elle est dure, ta question. moi, je pense que j'ai une espèce de mise en tension entre, d'un côté, une sorte de rage face à plein de choses. En fait, quand les vulnérabilités, le manque d'inclusion, la bêtise humaine quand les gens ont plein de préjugés et qu'ils se parlent pas, c'est vraiment dingue. Donc, il y a cette rage-là. Et puis, de manière positive, il y a un vrai enthousiasme. Face à plein de difficultés que je vois comme des opportunités créatives. Donc je reviens sur mes sujets de tout à l'heure écolo où je suis consciente que j'ai un peu plombé l'ambiance. et pour vous dire, en fait, n'ayez pas peur. Oui, on est face à un truc qui est extrêmement flippant, quoi. Mon Dieu. Bon. Mais en vous appuyant sur vos talents, sur tous les talents de tous vos salariés, sur tous ceux qui font. En fait, l'écologie est une opportunité créative extraordinaire et une opportunité géniale de rassembler les gens autour d'une épopée sublime qui redonne un sens à votre activité. Et ça, je l'ai vu dans la CEC avec tous les dirigeants que j'ai accompagnés et que je connais. Quand ils trouvent une mission pour leur boîte, il y en a beaucoup qui passent en entreprise à mission, qui trouvent une mission, ils la construisent avec leurs salariés et que cette mission, elle va dans le bon sens et qu'elle va dans le sens de la vie et de la prospérité du vivant, c'est hyper enthousiasmant et en fait, ils ne regrettent jamais d'avoir lâché ce qu'ils ont lâché et ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont lâché, ça les plombait. Et y a pas, enfin, je ne suis pas là pour dire que c'est facile, c'est hyper difficile de changer un business model. C'est hyper dur, mais c'est possible. Il y a plein de solutions, il y a plein de méthodos qui existent, il y a des accompagnements qui existent. Il faut aller regarder du côté de la perma, il faut aller regarder du côté de la circularité, de l'économie servicielle, de la fonctionnalité, de la bio-inspiration. Il y a plein de choses qui existent, mais le fond, en fait, c'est les talents que vous avez chez vous. Et du coup, utilisez-les, quoi. Je reprends la parabole des talents, utilisez-les. Et n'ayez pas peur, allez-y parce que c'est hyper enthousiasmant et ça transforme à la fois le quoi et le comment
Et là, vous allez retrouver de la joie et de l'énergie. Et dans les entrepreneurs que je connais, qui ont commencé à changer pas mal de choses, ils me disent « Waouh ! Mais on a une patate, c'est dingue !» Donc, ils n'ont pas de difficulté d'ailleurs à ce que les salariés suivent. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Je suis plutôt avec des salariés qui courent devant, parce qu'en fait, ils attendaient que ça. Et moi, je suis derrière à dire « Attendez-moi !» Donc, vraiment, n'ayez pas peur, allez-y. Et c'est génial, éclatez-vous, quoi. C'est super, la vie écolo. C'est vraiment chouette. Voilà. Alors, on voit bien que notre discussion était destinée à nous inviter à démarrer un chemin de conversion, un chemin d'audace. Et avant de vous remercier, je voudrais simplement partager avec vous une façon de voir ce chemin qui résonne probablement avec tout le monde ici et qui est issue d'une prière, et on est un mouvement œcuménique, d'un patriarche orthodoxe. Athénagoras, du début du XXe siècle. Sur ce chemin qui nous mène à pouvoir créer ces fameux projets sublimes et à avoir cette passion de l'impossible. La guerre la plus dure, c'est la prière de ce patriarche. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je remets mes lunettes de non-JEDC. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accepte et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente des meilleurs, plutôt des bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre à l'amour qui fait toute chose nouvelle, alors l'amour efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Merci à vous de nous avoir aidés à y croire.